Salut tout le monde, c'est pas le 14 et oula, attends, le chargement il va trop vite hein. 2 secondes, 2 secondes, Comment voilà. ça, un chargement peut aller vite? Mais c'est quoi ce Je délire? sais pas, bon, en même temps c'est peut-être parce que je viens de vider mon ordi. Donc salut à tous, bienvenue dans l'épisode 38 d'iFlive 2. Et je suis en compagnie de Fauchestar, dis coucou. Voilà, et pour pas faire de jaloux et de la petite voix, dis coucou. Très bien. Et donc, ouais, je fais une petite pause là parce qu'il va y avoir un truc secret. Enfin, je pense parce qu'il y avait un flash blanc. Donc, voilà. Donc, je suis donc avec Fauchestar. On reprend là où on en était, donc dans la tour du cartel. Toi, Fauchestar, t'as pas encore vu l'épisode 37 parce que je viens de le sortir juste à l'instant. Et si vous avez vu un bout de vidéo qui s'appelait épisode 37.3. Enfin, Half-Life 2 épisode 37.3. Ne vous inquiétez pas, c'était un petit problème de ma part, mais ça a été réglé. Il est même pas capable d'uploader une vidéo correctement. Ah non. Non, mais il y avait un petit bug YouTube. Enfin bon, voilà, la routine. Bon allez, on reprend là où on en était. Alors, en plus j'ai revidé mon ordi. Mais bon, il y a une communication. Enfin, il y a la communication là, donc ça doit être quand même un petit peu ralenti. Normalement j'ai aussi monté un peu le c'est bizarre cet endroit quand même. La puissance de le son du micro. Voilà, j'ai remonté un peu parce que je trouvais qu'on m'entendait pas énormément, donc je sais pas si ça a vraiment fait quelque chose ou pas, donc je verrai ça dans les vidéos. Ouais, c'est vrai que la communication Steam me bouffe quand même pas mal de puissance, je suis qu'à 6 FPS, 506. Bon, c'est peut-être parce qu'on est dans un endroit bizarre. Putain, mais dépêche-toi! Voilà, attends, c'est... Ah, voilà, je suis retourné à 20. C'est bien, c'est je suis à 20 FPS, puis là, pouf, 5 FPS. Ouais. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Très régulier. Ah oui, c'est ça, là. C'est les hérétiques. Bah, vous, vous savez pas encore ce que c'est, parce que, bon, bah, moi, je vous l'ai dit... J'ai joué au Half-Life 2 qui sont après, pour pas que je sois dans la mouille si vous choisissez pendant le vote qui est encore ouvert de Half-Life 2. Donc voilà les plus raisons un peu plus grandes que je vous disais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voté ou pas du coup pour enfin, moi. Bah en fait ouais si j'ai quand même eu quelques MP. Et c'est quelle série qui gagne pour le moment? Pour l'instant ce serait Super Commander 2. Oh putain, je me fais fumer. Voilà, bon, c'est un petit peu long là par contre. Tu vois, toi, Fauchestar, t'as pas encore vu que dans les derniers épisodes, en fait, je m'étais. Oula, des strikers. Je m'étais arrêté dans une espèce de prison où j'étais rentré volontairement dedans. Je cherche pas à comprendre. Tu viens, tu rentres dans les prisons volontairement. Oui, c'est sympa. Et donc là, je suis encore dedans, mais putain, c'est long là. Putain, ils sont énormes, les strikers. Si j'avais mon lance-roquette, enfin je l'ai mais bon, je suis en prison. Je ferais bien F5 pour voir ce que ça donne. Ça fait ça. Marche pas, on n'est pas sur. Est-ce que je peux allumer ma lampe? Même pas. C'est bizarre ça. En fait tu t'es fait coffrer ou pas, je comprends rien. Ouais, tu comprends pas en fait. Non, c'est parce qu'en fait je suis rentré grâce à Chien. Tu te rappelles la grosse machine, Chien? Ouais. Elle a encore envie? Oui, elle a encore envie. Je suis rentré dans la tour du cartel. Et donc là après je suis arrivé. Il vole le mec là-bas ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, il est derrière une vitre. Ne flingue pas super mal. Ah si si, il vole. Ah non, il y a une vitre. Bah ouais, ils sont un peu bizarres. Voilà, je sais pas, il y en a qui tournent sur le bizarre. Et donc on était arrivé dans la tour du cartel, et à un moment en fait on voyait cette espèce de prison qui allait directement sur le... Oh là, les vaisseaux. Oh là, tous les vaisseaux qu'il y a. Qui étaient... Enfin, les prisons qui arrivaient. J'ai du mal à parler. Hein. Les prisons arrivaient les unes après les autres et elles s'ouvraient à côté de nous. Et donc en fait, pour continuer l'aventure en gros, on était obligé de passer dans ces prisons. Enfin, de rentrer dans la prison. Et donc là, ça fait depuis qu'on a commencé... j'ai pas mis mon chrono là, je viens de le mettre, je sais pas combien de temps, je sais pas combien de temps ça fait qu'on filme là, peut-être bien 3 minutes.
les rentrer volontairement dans la prison et ça fait 3 minutes qu'on est en train de tourner comme des débiles. Ah, on va peut-être être stoppé. Non. Au fait, vous avez peut-être remarqué que le Père Noël est mort. Non. C'est pas de ma faute, hein. Il va me tuer. Alors. Moi aussi. On est tous un paquet, n'empêche. Hein. Les blancs, il y en a de plus en plus. C'est chiant, en plus mon champ de vision est réduit parce que je peux pas tourner trop la tête en... Enfin si en haut je peux bien mais pas en bas. Pourquoi ça s'arrête là? Parce que je suis descendu de la prison qui était en l'air. Ah, 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 je suis atterri doucement. Ah non, pas ça. Non. Non, pas ces trucs là. Alors dans l'épisode, dernier épisode, je vous avais vu ce truc là qui ressemblait un peu à ce qui est en face là. Qui faisait électrifier des trucs. Et donc à cause de ça... Parce qu'il est aussi dans Half-Life 2 épisode 1, donc la suite de celui-là. Il y a aussi ces trucs-là et je sais exactement ce qu'ils vont me faire là et j'aime pas du tout. Non, je peux même pas marcher en plus. Chant de confiscation, vous avez entendu? Non, non, c'est à moi tout ça, c'est à moi. Donc voilà, vous voyez devant mes yeux, ils sont en train de détruire. Enfin, ton... Ils ont détruit tous mes armes, sauf... Voilà. Sauf ça. T'as perdu tes armes? Voilà. Pardon. Attends, le petit biche. Oula, oh, non, même pas. Et maintenant, j'ai le super puissance. Viens ici, toi. Casse-toi. Voilà. Attention, masque du psychopathe sur Dr. Freeman, attention. Voilà, j'ai le pistolet énergétique 0.0, donc celui que j'ai toujours eu, hein, d'habitude. Sauf qu'avant, la lumière était orange, et maintenant elle est bleue, c'est tout ce qui change. Non, je rigole, maintenant il est deux fois plus puissant. C'est-à-dire que je peux attirer et expulser des objets très très gros. Et aussi humains, voilà, vous voyez que là, j'ai quand même dans... j'ai quand même un homme du cartel sur moi, voilà. Dégage. C'est de la grosse munition. Ouais. D'ailleurs j'en prendrai comme munition. Ah, donc ça, après on l'a plus tard. Je sais qu'on peut détruire ce truc là. Ah, casse-toi. Voici le docteur Freeman. Casse-toi, je veux pas te parler. En fait ça va, maintenant t'as une arme overcheatée au lieu d'avoir plein d'armes overcheatées. Ouais, bah surtout, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de munitions là-dessus. Ouais, faut la monter. Alors voilà, ça qui est bien aussi. Vous voyez, vous dites, bon, ouais, c'est un truc qui rajoute de la combi. Sauf que ici, elles sont cheatées. Voilà. Ici, elles donnent 20 de combi par seconde. Donc déjà, si vous avez plus de combi, en plus, on regagne de la santé aussi. Hein. Donc, dans la tour du cartel, on a 100 de santé et 200 de combi. Et ces petits trucs-là nous soignent ultra vite, ultra puissamment. Voilà. Ouais, t'es à moitié ainsi maintenant. C'est même pas moitié, c'est complètement... Prenez-vous ça. Merde, je les ai ratés. Genre, par contre, ça c'est marrant, c'est qu'on puisse choper les gens. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Non, c'est... T'es complètement corrompu. Si vous voyez que les hommes du cartel tirent avec des armes mais ils les lâchent pas, c'est simplement parce que dans cette zone, les armes sont confisquées et dès qu'elles touchent le sol, elles sont toutes détruites. Problème toi là-bas. Prends ça. En fait, ça a l'air que j'étais vachement cher en armes, si à chaque fois c'est spé et que je le sens. Ouais, c'est pas faux. Baisse de FPS, c'est ta faute, c'est encore quelque chose là. Ouais, je suis là pour ça. Voilà. On détruit tout. Toi, l'homme du cartel, tu viens, tu dégages. Ouais, je sais pas ce que je veux, tu viens, tu dégages, bam. Oula. Et voilà, le flamme qui a ouvert pété, que là que tu me parles, tu vas dans cet épisode là ou dans celui d'avant? Non, non, je viens juste de la voir là. Oh, bah, ouais, je te verrai pas en. Non, tu verras ça. Bon, toi, tu m'énerves là. Travailler ensemble dans une atmosphère de confiance et de respect mutuel. Tais-toi. Voilà, c'est bien. C'est bien quand tu fermes ta gueule. 5 minutes. Moi? Non, pas toi, tout de suite. Le mec là, le méchant.
celui qui est le chef des hommes du cartel. Par contre, je vois rien avec eux. Avoir un poste télévisuel avec soi, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Oula, et qu'est-ce qui se passe? Téléportable, nouvelle invention de la chaîne Palo Fanta. C'est quoi ces deux? Blablabla. Je sais pas, mais j'ai pas intérêt à m'en approcher. Ah, ça doit être un truc qui détruit. Je pense que si je rentre dedans, je suis dans la merde. Ah, c'est marrant. Troll. Ouais, par contre, j'ai perdu mon arme en faisant ça. Enfin, pas mon arme, mais mes munitions géantes. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ouais, là. Ah non, merde, j'ai été pris dedans. Est-ce que tu peux tirer les voitures avec ton truc? Bah, tu sais, je pouvais déjà le faire la dernière fois. Non, mais à tirer la voiture puis la balancer. Ah là, bah, je sais pas, y a pas de voiture dans le coin. On a toujours pas essayé avec les grenades d'ailleurs. Non, mais. Ah oui, ça, c'est vrai ça. Voilà. Aïe. Que s'est-il passé? Je suis mort, mais je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Je crois que je me suis pris une bouboule de Noël. Hein. Donc ces trucs-là, ils évitent dans des champs magnétiques. Et donc on doit les prendre pour activer ou désactiver des trucs. Et donc là, comme on a assez de puissance, on peut les contrôler. C'est-à-dire que vous rappelez normalement dans un des bâtiments... pardon, ça m'énerve. Dans un des bâtiments du cartel, la dernière fois, on avait trois réacteurs comme ça, il fallait les détruire. Mais on pouvait que les tirer, on pouvait pas les prendre. Et ben maintenant, on peut... Grâce à ça, en fait, on a genre l'attaque spéciale de leur arme au cartel, là. C'est que tout le monde a maintenant, de toute façon. J'aille par là. Ouais, on va pas attendre que le cartel vienne ici, hein. On va dégager vite fait. Mais par contre, j'ai pas compris pourquoi je suis mort. Je pense que c'est à cause d'une boule de Noël, mais... Casse-toi! Oh, ralenti! Dis-toi, allez, pousse! Mais cette tour-là, c'est le dernier endroit du jeu ou pas? Je pense. Bah, je l'ai pas fini, celui-là, j'ai fini ceux qui sont après ceux-là, en fait. Mais je pense que oui, ça doit être, doit s'approcher de la fin du jeu. Ça veut dire que la petite voix sera plus là! Ça sera sur d'autres séries. Hop, je la remets dans le champ magnétique pour pas qu'elle me casse la couille. Aïe. Aïe. Silence. Silence. J'ai dit. On peut pas essayer de les choper. On va essayer parce que je vais faire du oui, vous me direz, ah, pourquoi tu prends pas une boule avec toi, ça pourrait toujours t'aider. Le problème, c'est que j'ai déjà essayé dans les futurs opus, hein, et elles explosent au bout d'un moment. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on est ensemble. Pire, l'épisode sera un petit peu plus long, c'est pas un problème. T'as pas envie d'exploser? Non, non, ça ira. Bon, elle nous fait pas beaucoup de dégâts quand elle explose, mais... Ce serait joli. On va faire pas les prendre, quoi. Pire, c'est pas comme si ce flingue était déjà assez overcheaté. J'étais quand même con que j'ai pu... Ah, tu parles, il est pourri, il est encore plus nul que la mitraillette. T'es nul, toi. Toi qui es nul. Ah, le problème, c'est que on a une portée assez grande, en fait, pour les ramener vers nous. Mais on a une portée assez basse pour leur... Enfin, les envoyer le valdinguer, quoi. Tais-toi, là-bas, tais-toi. J'ai une chose. Ouais, bon, en fait, se promener avec un moniteur, c'est quand même galère. Ah, genre ça marche. Prenons une bouboule. Ouais, relâchons là parce que... Tu vas du combat dans du cartel du coup. Ah, tu m'as dit. Tu peux prendre les hommes du cartel pour les faire se fighter. Ouais, ouais je peux les prendre sur moi. Et
si il tire dessus, tu penses avoir une bouclier ou pas? En fait, non, quand tu les prends, ça. Quand tu les prends, ça. Ça les tue. Ah, c'est un peu radical, ouais, ouais. Quoi. Dès que tu les as chopés, ils sont morts. Ils sont là, ouais. C'est du coup si tu lances un homme du cartel sur un striker Je sais pas, mais je crois que les strikers, on peut les prendre. Genre, même ils sont plus tard. Ouais, je crois qu'on peut les prendre, ou alors on peut. Quand on les a butés, je crois qu'on peut les prendre à un moment. Ah, je ne sais plus. Oh là, eh, il y a un robot lame qui est venu sur moi, il s'est balancé dans le truc énergétique là, il s'est suicidé. En même temps, il y a le robot lame, c'est un peu pourri. Ouais, faut dire. Tu m'énerves là-haut. Prends ça! Oh, headshot. Bon, j'ai pris assez cher quand même. Donc, je vais me soigner. Merde. Bouf, bouf. Sur la bonne touche pour avancer. Dégage, dégage. Eh bien. Gentil. Et donc oui, tu peux prendre un homme du cartel pour balancer sur un autre. Ok, non. Sympa. Par où est-ce que je vais-je? Je pense par là. Ah, il s'est passé un truc bizarre n'importe où. Oh, j'entends encore des longues cartes, c'est pas possible. Mais votre gueule. Ah, il y a une grenade. Ah, il est raté. Mais c'est pas ça que je veux. Essaye de la prendre pour la relancer. J'ai chopé la grenade, mais elle m'a explosé dans les mains. Parce que. Il y avait tellement d'hommes du cartel à côté que. Cet abruti de canon prenait les hommes du cartel au lieu de prendre la grenade. Allez. Donc ça doit être possible de récupérer la grenade. Ouais, bah, là je l'ai entre autres fait, mais j'ai pas réussi à la relancer quoi. Si tu lances une grenade et tu la récupères avec le truc, tu la tires sur un mec du cartel. Ça pourrait être sympa. Ce serait des grosses munitions. Je veux pas de ça moi, je veux ça. Voilà. Ah, les FPS c'est quand même plus facile de jouer. Même si j'en bouffe une tonne. Et oui, parce que je suis star et comment je prends un FPS. C'est mon cas. Je peux tirer. Ouais, je m'en suis fait trois d'un coup là. Ils ont pas su ce qui se passait les pauvres gars. Par contre c'est bizarre que tu me fasses 3 en un seul coup. Et sans boucle de Noël ultra puissante. C'est final. Par contre c'est bien beau. T'as mais, fait comment Ah c'est trop ça vente. Prendre les robots là mais les balancer. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, je pense qu'il faut pas que je reste éternellement là-dessus. D'un coup là par contre. En fait je voudrais rajouter un truc que chaque fois que tu tues un homme du cartel je gagne 1000 kama. Je veux bien le faire moi aussi. Hein, hein? Blablabla, blablabla. Thank you.
Ouais, j'ai bien fait de la balancer là. Est-ce que vous avez entendu? La petite boule là, elle a fait au bout d'un moment, ça fait... Et là, si j'avais attendu une seconde de plus, elle aurait pété. Mais je vais pas vous faire ce plaisir. T'as vu? Je suis trop méchant. Il fixe à nos écrans, attends que tu te fasses péter la gueule. Ah ouais. S'il y a une borne de vie à côté de moi, peut-être que je le ferai. Ouais. Oh là, je vais tirer là-dessus comme ça. Je suis un psychopathe, hein. Je veux non, mais c'est mort. Toujours voulu ma mort. Je suis qui dessus. Voilà. J'ai eu un arme du cartel dans la main, puis il a disparu. Ouais, c'est bien qu'on puisse les aspirer les hommes du cartel et que ça les tue immédiatement. Le problème, c'est que c'est assez lent. C'est plus lent que quand tu peux leur foncer dessus, leur tirer une décharge dans la gueule. Je sais. Ah oui, ça t'aime ça, tirer sur tout le monde là, faire coucou, coucou. Lui, tu l'auras plus jamais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser en fait. Il va me manquer. Il est tout seul. En noir. Tu es tellement de personnes ensemble avec ces flashbacks. Oh, ouais, quand tu l'as eu, tous les gens que t'as tués. Pas en avoir beaucoup non plus, toi. Tant pis, t'étais trop loin. Coucou, toi. Oh. Coucou, toi. Oh, désintégration de toi. Petite question à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire sur une map aventure Minecraft quand vous l'avez fini? Bah, je sais pas, tout détruire. Alors, quelqu'un a une idée? Voilà, ça c'est la solution. Bien. Bon, c'est un peu long cet escalier là. C'était ascenseur. Allô, tu sais c'est quoi la différence entre toi et l'église? Je sais pas. L'église elle est consacrée, toi t'es un sacré con. Ah, c'était marrant, c'est un sadier. Bon, il y a une borne de vie à côté, je vais me faire exploser une boule dans la tronche. Je suis gentil. Je suis gentil envers vous. En exclusivité, Palou, ah bah c'est explosé une bombe dans la gueule. C'est ma... Oh, c'est fait chier. C'est injuste. Même un homme du cartel avec un pistolet fait plus mal. Ouais, ça faut le faire quand ouais, même. Ouais, faut dire. Bleh. Tiens, je connais, hein. En fait, je sens sacrément mieux que jusqu'à avec les hommes du cartel. Peut-être, ouais. C'est t'as toujours le temps de les buter avant qu'ils puissent te tuer. C'est pas pour la vie que je perds. Oh, c'est pas la peine d'appeler tes amis, toi, t'es déjà mort. J'ai vu la BAM! C'est violent. Cette violence. En fait, on peut se demander c'est qui le méchant dans l'histoire. Parce que c'est peut-être toi qui as fait le plus de victimes quand même. En fait, ça se trouve, Dr. Freeman, c'est un psychopathe. Tu as toujours pas compris en fait. C'est moi qui ai inventé le personnage de Dr. Freeman. Et tous les autres trucs du genre. Oula. Bon, en même temps, il est pas aussi psychopathe que le furet, tu sais, qui était dans la ville où j'avais plein de zombies. Ouais. Tu te souviens de la ville que tu aimais beaucoup, là? Avec les disques qui tranchent tout le monde. Enfin, je dis y a du monde, ils sont trois. Alors, je vais prendre la télé. Parce que c'est connu, les télés, ça fait mal. Je vais en balancer là-bas. Ça fera toujours de la munition. Elle attaque! Eh oui, parce que maintenant, dans... Oula, pourquoi je peux pas... Ah, oh, je peux pas sprinter, tiens. Bah, c'est normal, j'ai la télé avec moi. Je me disais, c'est bizarre quand je passe par sprinter. Ah, par contre, c'est bizarre, elles sont bizarres leurs vitres, parce que leurs vitres glissent. C'est marrant, en fait, on a l'impression de faire du bowling quand on balance des télés sur les. Aïe, ouf! Et. Ah, bah là, c'était vraiment du bowling, là, par contre. Hein. Il m'a tiré une boule de Noël, et.
il m'a envoyé en arrière, par là, ça m'a fait aucun dégât. Oui, oh ça va, tranquille. Il y a un striker. Aïe, aïe. Aïe, on va pouvoir te sniper. Ah mais il est bien trop loin. Comment tu tues un striker sans un poste? Non. Il n'y a pas des farfins, lui lancer à gueule, ou des hommes du carton. Yes, yes, yes. Ah non, puis en plus c'est les autres qui m'attendent. Faites qu'il meurt vite, faites qu'il meurt vite. Ouais c'est bon, je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu, il me reste 14 PV. Je suis mort. Alors qu'est-ce que t'as, regardez. Ah, il m'a pris en photo, alors je suis mort. Je vois la lumière. Ah. Petite photo. Tu verras. Te souvenir. Surtout, ne t'arrête pas, cours, fonce vers la lumière. Ouais, là, je me suis bien fait laminer. En fait, je crois que j'ai pas balancé les bons trucs. J'ai balancé des prisons, enfin l'espèce de cachot prison dans la gueule. Alors que je pense que j'aurais dû lui balancer. J'aurais dû lui balancer les. Non, pas les télévisions. Les télévisions. Les boules de Noël. Ah, ça, ouais, sur les côtés. Non, te barre pas la télé, tu barres pas. C'est bien gentil, télé. Vous me direz, je vois pas pourquoi je prends la. Non, ça m'énerve, elle va pas se primiter, mais non. Je vois pas pourquoi je prends la télé, il y a des prisons qui sont juste à côté. On va appeler ça des prisons, hein, parce que je sais pas comment ça s'appelle, donc ça m'énerve. Oh. Si vous savez pas comment appeler un objet, appelez-le. Non, une prison. Ça sert entre autres à une prison. Par contre, j'aimerais bien avoir des FPS. S'il vous plaît, je sais pas si c'est machiavélique. Si on doit passer une commande pour avoir des FPS. €10 le MP. Yes, j'en ai. Ah oui. Oui, il m'a coûté cher. Ça fait cher la vidéo. Réduction au bout de 10, c'est bon, je l'ai eu. Et donc, ouais, c'est bien ça, on peut prendre les ta gueule. Voilà, c'est ça. On peut prendre les parties du. Ah non, je voulais prendre sa patte, mais je l'ai désintégré sans faire exprès. Donne la papatte. Dis-toi, toi. Gentil, le striker, moi qui meurs. Attendez, il y a encore un bout de. Ouais, j'ai une articulation de. C'est une articulation de. Ouais. C'est une articulation de striker. Ça, c'est pique. Je sais pas. Ça vaut cher ou pas? Faudrait regarder un prix HDV. Là, je cherche pas. Et ben, on va s'arrêter là. C'est un million de camas si t'arrives à l'armée là-bas. Ce sera assez long quand même. Donc salut à tous. Et voilà, c'est merci encore la d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez, commentez. Et au prochain épisode. Salut tout le monde. Salut à tous.